Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode sur la Coronella. Et oui, ça fait longtemps, ça fait pas 6 mois non plus, faut pas déconner, mais ça fait depuis le week-end avant la sortie du DLC Platinum, donc ça fait déjà un moment, hein. Ça fait déjà 3 semaines je dirais. Donc je vais quand même faire le tour pour voir où ils en sont. Putain, ça a tout repoussé, yes. Ça a tout repoussé. Ah, mais il y a eu de l'avancement. Il y a plus guère de bouée ici. Il a combien d'heures, mon outil? 36,5. Ok. Ensuite, donc oui, j'ai vu un petit peu sur un minimap qu'il y avait un peu de bordel en avance. Ok. Ah, donc c'était ça le fameux. Ok, ouais. Il y a trois remorques d'avance. Donc le télescopique. Le massé, il est là. Là, c'est pareil. Il y a un peu d'avance aussi. Oh, il y a de la vente à faire, hein. Je classe, il y a 13h07. Ok. Pour les champs, alors je vais vous expliquer ce qui va se passer après. J'ai été un peu briefé par les autres, bien sûr. Ah, ça tombe bien, il y en a 3 presque mûrs déjà. Il y en a 3 presque mûrs. Ceux-là, ils en sont où? Ils poussent gentiment. Le 35. On n'avait pas le 42? Si, le 42, les mûrs. En gros, aujourd'hui, on va acheter l'usine à tissu. Et on a prévu de planter du coton. Et pour avoir un minimum de rendement avec le coton, le coteau, oui, le coton, faudrait qu'on sème tous nos champs à la fois. Donc là, il y en a un de mur. Il y en a 3 de quasi-mur et l'autre, il faudra attendre un petit peu. Donc soit le dernier, fuck, bro, et puis on fait avec ceux-là. Mais moi, je pense plutôt à attendre un peu tous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on préparera les champs. Il n'y aura plus qu'à les semer. On attendra le dernier et on sèmera du coton. Tout en même temps et puis voilà. Donc l'usine à coton. Donc si je dis pas d'annerie, normalement papy me l'a montré. Donc c'est plus bas que nous, ça doit être là-bas. Attendez, je regarde la map. Ouais, c'est ça. Donc c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Pas l'usine à coton, l'usine à tissu, on va y arriver. Donc ça doit être. Donc là il y en a une. C'est patatas fritas. Ok, et normalement elle est là. Pas du tout. Elle est là plus bas. Je suis en train d'hésiter là. Papy va m'insulter, mais grand-mère, il me l'a montré, je l'ai vu. Ah, yes. Ok, yes, c'est bon. Bon, on peut pas passer, bien évidemment, faut faire le tour comme un âne. Donc, les textiles main. Donc, là, on en a une première du coup. Donc, coton LN, ok. L'usine à vêtements, on verra plus tard. On va déjà acheter celle-là. Il y a un panneau où il faut acheter le terrain. Je ne sais point, messire. Attendez, je fais quand même le tour du bâtiment. Faut acheter le terrain. On a 391 000. Ok, bon, faut acheter le terrain apparemment. Apparemment. Hop. Et hop. Et voilà. Et ensuite, c'est tout bon. Donc laine, palette. Ah oui, c'est vrai qu'il faut des palettes partout. J'avais oublié sur cette map là. Ok. Eh bien écoutez, on va amener un maximum de palettes pendant qu'on est là. Activé, non, c'est pas actif. Et donc, du coup, la route. Ah oui, parce que ouais, ça fait longtemps que j'ai oublié les routes. Paf, 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 paf. Ok, tout droit. Tout droit. Allez, ça part, mon seigneur. Ça part, ça part. C'est parti, mon Jean-Louis. Ah, ça fait du bien quand même de retourner à 20 MS1. Pas que les 50 me plaisaient pas, mais c'est quand même plus sympathique, bien sûr. Bien sûr, c'est surtout pour pouvoir faire des lives. Hein. Après les vidéos, je pense que j'aurais peut-être pu venir dans la deuxième semaine. Mais j'étais un peu overbooké entre les jeux, les nouveaux jeux que j'ai. Enfin, les nouveaux vieux jeux que j'ai re-ramenés et tout. Et je pouvais pas être partout. Et donc, du coup, ouais, une agriculture biologique, je vais avancer comme je pourrais. Mais il faudra aussi que j'avance sur les autres. Quand même, filer un coup de main aux autres, faut pas déconner. Donc pour moi, hors ligne, ça va être pas mal de farming en ce moment. Et puis voilà, histoire d'avancer quand même. Un minimum. En plus, il va nous manquer Chris Kayak. Une semaine de temps. Et maintenant, je sais pas si Mac va venir un petit peu. Maintenant que je suis revenu, on verra. Ça dépendra de lui, pas de moi. On verra, on verra. Et puis Papy qui était au taquet sur New World. Je crois qu'il a fait un peu le tour de ce qu'il voulait voir dessus. Donc,
Il va peut-être revenir quand même un petit peu, même s'il venait quand même un petit peu, bien sûr. Ou beaucoup, j'en sais rien, je ne sais pas les heures qu'ils ont fait dessus. Je sais qu'ils y sont venus les trois, mais c'est tout. C'est tout ce que je sais. Du coup, après derrière, ils m'ont briefé sur ce qu'ils ont stocké un petit peu sur celle-ci. Et puis, puisqu'il y avait un peu à faire. Et c'est vrai que pour l'usine à tissu, pour la faire tourner au maximum, il vaut mieux avoir et du coton et de la laine. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'elle tourne. Je crois qu'elle tourne. Bah, elle tourne en fait qu'à moitié, puisqu'il n'y a que la laine qui se fait. Mais c'est surtout derrière pour l'usine de t-shirts, de textiles, enfin de vêtements, on va dire plutôt. L'usine de vêtements, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu mets pas. En fait, l'usine de. Je sais pas comment vous expliquer ça. L'usine de vêtements, en fait, elle va tourner qu'à moitié, étant donné qu'elle sera jamais rapprovisionnée suffisamment, puisque. Elle va avaler plus vite que l'usine à tissu, donc vaut mieux faire les deux, quoi, histoire de rentabiliser un maximum. La cuisine ne tourne pas qu'à moitié, quoi. C'est toujours mieux ainsi. Bref, qu'est-ce que j'ai loupé d'autre? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ouais, donc du coup ils m'avaient dit que le bois avait poussé, effectivement, et puis qu'ils avaient fait des petites récoltes par-ci par-là et ressemé les champs. Donc ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Alors, il faut. Elle est active, normalement. Donc il va nous falloir les palettes. On va faire un deuxième voyage déjà. On va l'empiler au taquet avant de refaire un voyage aux palettes. On est reparti, mon kiki. Du coup, ils ont bien fait de mettre de côté. C'est vrai que. Moi, je les vendais, du coup. Et c'était prévu qu'on achète cette usine-là avant que je n'ai plus d'internet. Mais du coup j'ai pas fait. Puis moi je les ralentissais du coup parce que je faisais pas de vidéo au-dessus, donc ils pouvaient pas avancer plus que ça. Mais ils ont avancé quand même. Et effectivement, là ça va en faire du bois. Hein. Ça va en faire. Je les vois. En fait, je les trouve quand même plus gros que les pins, ce qui me paraît logique. Mais ils valent aussi plus cher. J'ai fait quelques tests sur d'autres parties et j'ai l'impression que l'épicéa vaut plus cher que le pain. Après, ça dépend comme tu charges ta remorque et tout, mais c'est l'impression que j'en ai. Parce que déjà, il est plus droit et il est plus gros. Donc c'est bien. Il me semble que ça doit être ça. Vous me confirmerez pour ceux qui savent. On ne sait jamais. Bref, ce soir, on va faire un live sur le DLC plate, tranquillou. Et puis voilà, ensuite, bah, dimanche, il y aura du snow. Du snow, on va découvrir la troisième map parce que c'est vrai que je suis un peu pendu sur la deuxième. Et franchement, j'ai la flemme d'utiliser le détecteur de métaux. Il me casse les pieds, ce machin. Je verrai plus tard. Et donc du coup, voilà. Ça, c'est pour le restant du week-end. Ensuite, messieurs, dames, ah oui, ensuite, j'ai été muselé pendant 15 jours. Donc j'ai loupé potentiellement. Donc c'est jeudi que j'avais plus d'internet. Donc j'ai loupé 1, 2, donc vendredi, samedi, lundi, mercredi. Vendredi, samedi et lundi et mercredi. Donc j'ai loupé 8 lives potentiellement. Et donc du coup, bon, doutez-vous bien que ça m'a un peu énervé, je vous raconte pas toute l'histoire. Et j'avais dit quand je retrouve internet, on bombarde. Ah oui, eh oui les mecs, et les madames. J'avais prévenu, hein. J'avais prévenu. Donc la semaine pro, on part sur 6 lives. Genre tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Quand même garder le dimanche pour Juju. Bah bon, ça va pas lui déplaire non plus de retourner sur The Forest. C'est vrai que je dis pour Juju, mais. Ah, disons que on fait du The Forest, elle est heureuse. Hein. Elle est heureuse, elle est heureuse. Donc on va partir sur 6 lives. Je ne sais pas sur quel jeu auront lieu tous les lives. Genre, ça va être. Je suis plein. Je suis plein. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est 10 sur 10. C'est pas 20 normalement? Enfin, peu importe. Par contre, du coup, je peux vous dire que. Donc, je vais refaire le planning de la semaine. Et ça, c'est pareil en vidéo, ça peut bouger. Parce que, évidemment, comme je ne sais pas quel jeu je vais faire en live, je peux pas forcément faire une chier d'avance non plus. Donc, les lives, bah, lundi, du snow, c'est sûr. Mardi, alors, on va en reparler ce soir, probablement. Et lundi, on en reparlera aussi. Mardi, c'est soit du Resident Evil, soit Fallout 3.
La seule chose qu'il faut que je regarde d'ici mardi pour Fallout 3, c'est que j'ai un réglage différent à faire. Et je ne sais pas le faire. Donc en vidéo, j'ai trouvé la solution assez facilement d'ailleurs, j'ai pas fait exprès en plus. Mais en live, je sais pas trop comment il va falloir que je me démerde. En gros, pour vous expliquer rapidement, c'est un jeu qui date de 2008, donc il a quand même certaines années. Si tu lances en 1080 classique, comme je lance mes vidéos en fait, pour l'instant, j'avais parlé de 2K à un moment, mais je viens de retrouver internet. On a le temps, on va se calmer, je m'en occuperai plus tard du coup. En fait, en 1080, pour nous, normalement, le jeu en fait s'affiche dans une petite fenêtre. Donc évidemment, mon PC lui fait tout seul pour m'afficher le jeu en grand écran. Mais pour OBS, c'est une autre histoire. Donc pour les vidéos, en fait, il a fallu que moi je prenne la capture en 720p et que je vous la retransmette en 1080. Ce qui est pas si compliqué en soi quand tu connais le truc. Mais quand tu connais rien, bah, c'est un peu plus difficile. Et en live, je sais pas si je vais pouvoir faire comme ça. Donc faut que je regarde ça. Mais on en reparlera ce soir pour savoir quel jeu vous voulez qu'on fasse mardi soir. Mercredi, on fait du The Forest, monsieur l'âme. Pour l'instant, je le prévois comme ça. Je ne sais pas ce que va foutre cette semaine. Donc, pareil, ça fait 15 jours que je l'ai pas vu. J'ai eu quelques messages et les autres, je ne sais pas s'ils l'ont vu beaucoup. Donc, faut que je vois avec Damiris. Si elle veut continuer de venir, parce que si elle dit non, va chier, tu m'as lâché pendant 2 semaines, casse-toi. Ah, après, c'est comme ça, hein. Mais voilà, en toute logique, mercredi on fait du The Forest. Jeudi, pareil, je vais laisser au choix, sauf que là, bah, ce sera le jeu qu'on n'a pas fait mardi, donc Resident Evil ou Fallout. Et derrière, on peut faire du farming aussi, mais ça on en reparlera mardi ou mercredi en live, tranquillement. Et puis après, on enchaîne à vendredi, on fait du construction, samedi, on fait du farming. Voilà, un petit peu pour la semaine de live. Et c'est pour ça que. Suivant ce qu'on va faire en live, bah, il faut que je modifie certaines choses. Genre là, on rebascule une vidéo par jour. Hein. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je peux pas faire de la merde comme ça m'agace. Je peux pas faire et 2 vidéos par jour et un live par jour. Voilà, c'était déjà difficile de suivre avec 2 vidéos. Je vous expliquer vite fait pourquoi, ou vous réexpliquer pour ceux qui m'avaient entendu le dire, mais c'est trop difficile de faire 2 vidéos et un live par jour. Ça va m'en demander trop. Ça va m'en demander beaucoup trop. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je dis que suivant le jeu qui aura jeudi, ben moi, il faut que je m'adapte et que je me débrouille par rapport à ça. Puisque je vais refaire de l'avance comme avant en tournant le week-end et un petit peu de la semaine, je me suis aperçu qu'en fait, bah c'est difficile. Donc ça va être dans le même sujet de l'histoire des 2 vidéos par jour. En gros, pour revenir sur les 2 vidéos par jour, bah, une vidéo en moyenne, alors ça dépend lesquelles, mais c'est vrai qu'en ce moment je plafonne à une demi-heure, voire une grosse demi-heure et pas plus. Parce qu'après, en fait, plus la vidéo est longue et plus. YouTube met du temps pour faire le traitement. Vous savez que j'avais le problème à un moment de le traitement YouTube, il faut 6 heures pour le faire, donc du coup la vidéo arrive sur YouTube, elle est pas en 1080. Ça, c'est la faute de YouTube. Donc en fait, j'avais décidé de redescendre un petit peu et de passer à 30, 35 minutes, voire 40 minutes, pour voir si ça allait mieux. Pour l'instant, ça va un peu mieux. Mais voilà, on sait jamais avec eux, vous savez, des fois que ça dépend du trafic sur YouTube, on va dire. Mais en gros, ouais, une vidéo, on va dire, ça dure entre 30, 35, 40 minutes. Sans compter s'il faut que je fasse quelque chose juste avant. Pour exemple, sur Fallout, l'histoire de la radiation, là, fallait 600 radiations. Et l'endroit où je suis allé, bah, ça me calait 2 radiations par seconde. Ça prend rien de temps, hein, ça prend 5 minutes, mais tu vois, ce genre de cochonnerie-là où. Par exemple, j'en sais rien, faut que tu prépares un truc, ça te prend 10 minutes de plus. Donc, on a déjà pour presque 1 heure de et préparer et faire la vidéo. Derrière, faut faire le montage rendu. Même si je fais très très peu de montage, voire même pas du tout, parce que c'est pas le truc qui m'intéresse. Mis à part en best-of, mais là, pareil, cette année, je pense que je vais avoir des problèmes pour faire un best-of de Noël, parce que je connais pas ce logiciel-là. Je fais que les trucs tout simples avec.
Au moment où je commençais à prendre en main Sony Vegas, ben, je me suis retrouvé muselé à plus pouvoir m'en servir. Donc il a fallu que je change. Et là, celui-là, ben, c'est pas du tout les mêmes raccourcis, ça se passe complètement différemment. Donc bon, c'est un peu plus complexe. Mais voilà. Donc le temps de faire le montage rendu, bon, faut que le PC fasse le rendu. Et puis derrière, il bah, fallait que je le copie-colle sur mon disque dur externe et l'emmener chez mon padré. Donc en gros, tout ça, ça me prend par vidéo, ça me prend, j'en sais rien, moi, 1 h 30, voire 1 h 45, tu vois. Et donc quand on fait deux, bah, ça te prend 3 heures. Le truc, c'est que 3 heures, sans compter le fait qu'il faut que je l'emmène chez mon padré et que je l'upload. Le PC qui upload, la connexion n'est pas le problème puisque mon père a la fibre, mais le problème c'est le PC. Le PC c'est mon vieux PC portable. Un enfin, vieux. En fait, à l'époque où j'avais commencé YouTube, j'avais un PC portable et j'en avais acheté un à Juju. Et c'est le PC de Juju parce que le mien il était fusillé, de toute façon je lui en ai trop demandé, mais. Et en fait c'est ce PC là qui upload, l'ancien PC portable de Juju, qui upload les vidéos. Donc le problème c'est qu'elle m'a tellement mis de bordel sur son PC que il faut une tripotée de temps pour charger. Et le temps que monsieur charge et que derrière je puisse uploader des vidéos, enfin voilà, je vous explique pas le pataquès. En gros, pour deux vidéos, bah, ça me prend 4-5 heures, quoi. Peut-être pas quand même, mais allez, on va dire au moins 4 heures pour les deux vidéos. Donc, bah, 4 heures, mais quand tu fais aussi un métier RL par-dessus, bah, c'est pas facile, quoi. Il faut jongler. En plus, mon père a été assez cool avec moi. Il m'a dit, écoute, s'il faut du temps, bah, prends le temps, quoi. Sauf que bon, on a des préparations à faire. Les rouges sont toujours dehors parce qu'il fait pas si mauvais que ça la nuit. Et on leur donne à bouffer bah, le matin et le soir. Et il y a de l'herbe encore dans les prés, un petit peu. Mais il faut quand même préparer pour l'hiver. Et on a été emmerdé avec nos plateaux de crèche et machin. Et puis après, bah, un de mes tracteurs est tombé en rade. Enfin bref, je vous raconte pas tout ce que je vous ai déjà dit. Mais voilà, fallait jongler. Donc c'était pas si facile que ça. Et ça serait encore bien moins avec deux vidéos par jour plus un live parce qu'il se trouve que pour avoir deux vidéos par jour, bah, ça m'arrivait assez régulièrement d'en tourner le soir. Donc du coup, quand je suis en live, je peux pas faire de vidéo. Donc évidemment, ce serait trop dur. Donc on va rebasculer comme on faisait avant, hein, faut pas déconner, une vidéo par jour. Et du coup, bah, là, sur au moins 2 semaines faciles, voire même 3, on va partir sur 6 lives par semaine. Donc voilà ce qui va se passer par rapport à ça. Tranquillou. Et j'avais autre chose à vous dire par rapport à l'autre truc que j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle déjà plus. C'est terrible, ça va me revenir sans chercher, parce que si je cherche, ça va me revenir encore moins. Les palettes, on les met où? Mais c'est plein ça? Merde. Ah yes, c'est plein. Le déchargement, il est où? À gauche. Incroyable. Incroyable, ici, Roger. Viens ici. Oh! Je vais pas y arriver, c'est terrible. Je suis un handicapé. J'ai pas de ping. Ben non, j'ai pas de ping. Non, non, mais c'est ma tête. C'est normal. Ok, et les palettes, ça, j'ai tout? Là-bas. On va se faire un voyage de palettes. Tranquille ou bilou. Donc là, cette fois-ci, on va remonter. Je me rappelle plus la route. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Je crois que c'est là. Donc c'est à droite. Et au rond-point, ça doit être à gauche. Si je dis pas de conneries, ça doit être ça. Je devrais pas me tromper. Je ne devrais pas me tromper. Ça devrait se faire. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. L'autre truc. Magnifique. C'est terrible hein, de ne pas avoir de mémoire comme ça. Je suis parti sur un sujet et je me rappelle plus du deuxième que je voulais vous parler. En plus, qu'il y avait un lien avec le premier. Ah, c'est terrible quand il faut penser à tout et que tu t'en sors pas. Tu penses à tout, tu penses à rien. En fait, t'es handicapé de la tête. T'as aucune mémoire. Et du coup, oui, par rapport à IRL, bah, effectivement, il faut avancer un peu. Mais j'ai eu des problèmes avec mon tracassin qui est parti en réparation. Donc, bien sûr, tu demandes un tracteur de prêt, ils en ont jamais. Mon père, il me dit, je vais te dire, c'est pas parce qu'ils en ont pas, c'est parce qu'on n'est pas assez gros clients chez eux. J'ai écoute, t'as refait un moulin là-bas, il y a. Enfin voilà, on casse pas tous les jours non plus, quoi. On n'est pas des brise-fer. Donc la dernière grosse réparation, elle a eu lieu là-bas en plus. C'était le moteur du SAM d'ailleurs.
Mais ils ont jamais un tracteur à te prêter. Donc du coup, il a fallu que je réadapte un des vieux chargeurs sur le vieux tracteur de mon grand-père. Il a fallu que je récupère des manettes de distributeur. Enfin, il a fallu que je fasse un pataquès terrible pour pouvoir remettre en route le vieux tracteur à mon grand-père et réadapter le chargeur dessus correctement. Et puis, enfin voilà, un bordel terrible. Mais du coup, tout fonctionne, donc ça prend vite du temps. Et puis, ben voilà, c'est ce que j'ai dit, hein, j'y vais. Quand mon padre a besoin, j'y vais. Puis voilà. Alors, normalement, il n'est pas censé avoir de rang non plus là-dessus. Mais il y a un problème avec leur palette là. On mettait 20 dessus avant. C'est pas la bonne remorque? Attendez. Maki m'a dit, t'as une remorque 2 qui est chargée. Mais elle est où cette remorque? Terrible. Normalement la petite on la mettait tout le temps là, elle est plus là. Donc c'est soit on a inversé les remorques et ils ont pris la petite. Et ça il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est que moi je la mettais là-bas, elle y est plus. Alors elle est où cette deuxième remorque? Ah mais ils sont là les œufs. Mais putain on mettait 20 palettes avant dessus. De souvenirs. Et deuxième question, elle est où cette remorque de mort là? Elle était toute rouge, je crois. Ils l'ont vendue? Je fais le tour quand même. La merde. Alors attendez, garage. Je crois que c'était dans. Ah non, ce sont les deux là. La merde. Bon, tant pis. Écoute, je vais en emmener 10, mais ça me paraît étrange, j'en mettais 20 avant. Des chargeoirs là. Mâche gauche. Et puis W. Ah oui, c'est 10. Mais ça n'a jamais été 10. C'était 20. Écoutez, il y a l'autre remorque qui doit se promener je sais pas où. Et ça doit être celle-là. Je comprends pas pourquoi ils ont pris celle-là plutôt que l'autre. La 10, on l'a gardée pour les trucs à papy, là, les machins pour faire la bouffe. Là. Pour faire les protéines pour animaux. Les remorques, elles se sont croisées, j'ai pas tout suivi. Là. On verra, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va se démerder. Ah oui, il faut le temps que je reprenne mes marques, hein, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais je ne sais pas où est passé cette remorque. En plus, je crois qu'ils ont rangé d'une façon différente de ce que je faisais avant. Parce qu'apparemment, papy voulait ranger comme ça. Et effectivement, moi, j'ai pas suivi le truc. Donc, bah, faut le temps que je. Faut le temps que je redécolle. Hein. Faut le temps d'y refoutre. En tout cas, on va commencer la prod, ça c'est sûr. Et là, l'autre mort, bah, je la chercherai, ou ils me diront où elle est, ou voilà. C'est pareil pour les animaux, d'habitude, vous savez, j'en vendais toujours un petit peu. Vaut mieux que je le fasse, je vais regarder quand même combien il y en a. Mais vaut mieux que je le fasse tout en même temps. Ouais, on est au taquet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en vendre après, on va arrêter tranquillement la vidéo, on va vendre quelques animaux. On va faire des petites épis, puis moi je ramènerai le Valtra après. Tranquillement. Et puis voilà. Puis voilà, puis voilà. Puis du coup, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, bah, ça ne m'est pas revenu. Donc, ça ne m'est pas revenu du tout. Et donc, oui, pour les lives, donc. Modulable suivant si j'ai des imprévus, hein, je vous apprends rien. Un vélage où je rentre tard et je peux plus souffler et je suis tellement crevé que je vais me coucher. Mais voilà, ce sera ce que je vous ai dit, c'est par semaine. Pendant un certain temps. Pendant 2 voire 3 semaines. Ou voire même plus si ça me tente plus. Hein. Moi je suis jamais fatigué de faire des lives, j'adore ça. Du coup il va tout avaler cette vache là. Yes. Merde. Ah oh, oui, d'accord. Oh la vache.
Ah oui, quand même. Ah oui, je peux en faire toute la nuit des voyages. Alors attends, bah du coup ce qui va se passer, c'est quoi ça? C'est pour faire quoi ce truc là là? Il planche? Après on peut pas savoir sans l'acheter. Ok, bon bref, on s'en fout. Ça a l'air d'être du copeau de bois. Alors attendez, donc on va faire ce que j'ai dit, puis après on coupera là pour aujourd'hui tranquillement. Alors les moutons. Les moutons laitiers. Les moutons laitiers. C'est lesquels les plus chers? Donc on a 320, on est au taquet. Donc là 675. Ok, ils ont pas pris tant que ça en valeur, les bâtards. Après 650. Ah, je vends ceux qui rapportent le plus. Hein. Là j'ai 600. En règle générale, je redescendais à 270. Après, il faudra pas trop que j'en vende parce qu'il va nous falloir de la laine. On en a un peu d'avance, mais. Là, il y a 30 places. Il y a encore des moutons à 600. On va vendre ceux-là. Il y a 625 là. On va vendre ceux-là. Et puis, voilà, il m'en manquera 40. De toute façon, ils vont vite revenir. Et de l'autre côté, du coup. Hop! Alors de ce côté-là, on a quoi? Oh, 987. Là, ça va profiter ici. Encore 987. Après, j'ai vu 905 et 946, tiens. Et là, j'ai 905. Par contre, ça, on a large le temps en termes de production laitière parce qu'on a trop de palettes. Ouais, je pense on peut revendre ici. On va essayer de revendre celui-là. On a encore beaucoup des 946, non, c'est tout. Ok, donc on a fait un peu de pépette. C'est quand même plutôt pas mal. On est à 422 000. C'est plutôt cool. On va pas s'en plaindre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant de terminé. Je réfléchis, mais normalement c'est tout bon. Je sais pas si j'ai besoin de vous. Enfin, pour ceux qui veulent savoir, enfin qui n'ont pas suivi la raison du pourquoi, du comment, l'explication, j'avais plus d'internet. Je l'ai expliqué sur le live de Construction Simulator, donc sur la Rediff, c'est dispo. Sinon, je vous le redirai tranquillou. Sur un autre live pour ceux qui veulent savoir. Ce soir on fait du FS. Et sinon, globalement, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais faire pas mal de farming dans mon coin. Et puis voilà. Puis on est reparti comme en 40. Moi je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à ce soir pour le live. Ciao!